T'as été donné à manger au lapin? Je te demande si t'as été donné à manger au lapin. Mais qu'est-ce que tu lis de si bio dans le journal? T'écoutes pas ce qu'on te dit? Je lis qu'on est le 23 janvier. Le 23? Ben ouais, demain on est le 24. Tiens, comment ça se fait que tu sais que demain on est le 24 et que tu sais pas qu'aujourd'hui on est le 23? Bah, parce que je dois aller cuire mes sorlets chez Crépin. Il m'a dit, viens les cuire aujourd'hui à 8, c'est-à-dire samedi 24, et ben c'est demain. Ça fait que tu te rappelles ce que tu dois faire le 24 et pas le 23. Je dois faire, on ne sait quoi, le 23? Aujourd'hui? Ouais, puisque demain c'est le 24. Le 23 janvier? Ouais, le 23 janvier. Tiens, c'est curieux, ça. Et c'est Mi qui t'a dit que je dois faire quelque chose le 23. Ouais, le 23 janvier. Ça alors. Et il y a longtemps que je t'ai dit ça? Oh, il y a du temps. Le 23? Ouais, le 23. Tu vois pas? Ben, j'ai des tas de trucs à faire, mais enfin, je sais pas, un jour après, le 23 janvier. Si j'avais dû m'emménager, je dirais que je dois aller chez le dentiste, mais j'ai pas de mort. Ah, j'y pense. Quand je sais qu'elle dos s'a couché, il y a mort. Elle atteint? Mais tu mets ce rocher pour le 23? Ben, c'est rien, mais je cache, quoi. J'ai payé mes impôts, ouais. Ça, il y aura quelqu'un pour te le rappeler. J'ai pas un interment non plus. Mais non, pas le 23. Quoi, ça se pourra? Le 23 janvier. Ouais, le 23, le 23 janvier. Vous demandez, faut le calendrier. C'est pas la mode que le calendrier, il dit ce qu'on doit faire. Ah, les fillettes, c'est pas le calendrier qui les dit, non? Allez, donnez ici. Veillons un petit peu le 23 janvier, ben c'est bien ça. Quoi? C'est aujourd'hui. Saint Timothée, Saint Septuagésime. Mais je connais pas de Timothée ni de Septuagésime. Et c'est bien le 23. Ouais, le 23 janvier. Non, c'est pas le 27 février, pourquoi non? Pourquoi le 27 février? Mais pour rien, je vois rien de plus qu'à faire le 27 février que le 23 janvier, mais j'aurai le temps d'y penser. Oh, je deviens âgé, mais Tovo, quand on n'a pas de mémoire, on devrait tout écrire. Mais c'est écrit. Et du ça? Sur ta livrée de mariage. Quoi? Comment? Ça fait 20 ans aujourd'hui, 23 janvier, qu'on est mariés, et c'est tous les faits de chaque fête. Oh! C'est l'anniversaire de nos mariages. Oh, s'il fallait atteindre après ti enfin, pour avoir une pincée à miteuse. Ça, j'avoue, j'ai... Même pas se rappeler un jour comme je t'y l'ai. Mais je vais te dire... Pourtant, t'es toi assez à foufelle. Ouais. Quand je pense que t'as pas eu le patience d'atteindre la fin de ma veuvage, et qu'un an après qu'Achille n'est au plus, il a fallu les noces. Ouais, bah... Et Acheteur, il se rappelle même plus de le date. Bah, j'ai si vieux de... Enfin, pour fêter ce grand jour, on va faire un petit gueuleton. Je vais tuer le lapin. Et te le fera avec des pornes et des rogins. Tiens, comme au dîner de noces, tu t'appelles? On a mangé de l'tiède de mouton persillate et du gigot aux haricots. T'as vraiment une mémoire de lièvre? Jamais de la vie. On a mangé du saumon mayonnaise et du lapin. Même que le mayonnaise, elle voulait pas peindre, tellement qu'Yves Joko. Mais rappelle-toi, Yves Joanne Calleur. Mais qu'est-ce que tu racontes, le 23 janvier? Mais on s'est marié un plein été, le samedi de l'Assomption, le 14 août. Oh, c'est vrai. Enfin, le 23 janvier, c'est mes premières noces, avec Achille. Et chez Mi qui a une mémoire de lièvre, le 23 janvier, et dire qu'on a l'eau tué ce lapin, comme si que c'est tout de saute, le 23 janvier, 23 janvier, 23...